disais, vous êtes une bande de mercenaires. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. Vous êtes un peu des petites frappes. C'est-à-dire que vous évoluez pas vraiment dans les grandes sphères de la société. Vous avez plutôt l'habitude de faire des petits jobs, mais vous n'avez pas spécialement beaucoup d'ambition non plus. Donc ça vous permet de gagner votre vie relativement correctement, de payer votre loyer. Ça, c'est important parce qu'à la rue, c'est compliqué. Rue avec un grand R. Et puis surtout, ça veut dire que bah, dès qu'il y a possibilité de se faire un peu d'euro-dollar, eh ben, vous sautez sur l'occasion. Et chacun d'entre vous, au même moment, alors que vous vaquiez à vos occupations dans Night City, sur les parties extérieures, parce qu'en fait, le centre de Night City, c'est le quartier un peu huppé, et l'extérieur, c'est un peu les zones de combat, ce qu'on appelle les zones de combat. Pendant que vous étiez en train de vaquer à vos occupations, donc certains étaient en train de faire des courses de voitures, en bons nomades qu'ils sont, d'autres étaient en train de tabasser deux, trois petits boosters pour un paquet de chips ou une drogue, et d'autres étaient en train de parcourir le net ou d'accorder chercher un accès au net. Chercher un accès au net ou d'accorder sa guitare pour faire un show de tous les diables lorsque votre agent s'est mis à sonner. Votre agent, c'est un peu votre téléphone portable qui peut être intégré directement sur vous en mode puce 5G, vaccin du Covid, ou par le biais d'un device, d'un appareil externe, c'est vous qui voyez, peu importe, mais en tout cas votre agent, ça vous sert d'agenda, de secrétaire, de téléphone, c'est vraiment un smartphone, mais version cyberpunk. Et cet agent, en sonnant, vous a dit... Contrat juteux. Retrouvez-moi à 20h dans la boîte de nuit, The Lake. La journée s'est passée. Vous avez fait votre vie. On sait d'où vient l'appel ou pas du tout? Non, en fait c'est pas un appel, c'est juste un mémo vocal qui est apparu. Mais comme ça arrive souvent, en fait, vous passez en général quand vous avez des missions, ou vous les trouvez vous-même, ou vous passez par un fixeur qui est un petit peu le type qui vous donne des missions à chaque fois. Là en l'occurrence c'est passé par un biais autre qu'un simple fixeur. Et donc, la journée se passe, et un peu avant 20h, vous allez au Lake, à une boîte de nuit dans les quartiers assez huppés, que Racer connaît plutôt pas mal, parce que ça lui arrive de faire chauffeur de temps en temps, et Racer a deux, trois petits soucis avec avec le Lake, en général, puisque l'architecture ne lui convient pas, et elle ne manque pas de le faire savoir. Et Forty, tu es la première à arriver, je vais donc te laisser te décrire. Alors, saison. Je suis une fille, je m'appelle Forty, et je suis habillé d'un haut corps, et puis avec une veste un peu en cuir, un peu rose, et j'ai un petit shorty aussi, et j'ai toujours une grosse guitare dans le dos, une guitare électrique dans le dos. Et ce que j'adore faire quand je rentre quelque part, c'est de caresser mes cheveux et d'arriver et de juste poser quelques notes pour faire une entrée musicale. Très bien. Tu arrives donc devant l'entrée du Lake et tu passes par ce sas de décompression qui permet notamment de purifier ta tenue, puisqu'il y a des retombées radioactives partout en ville. Donc dès qu'il y en a l'occasion, tu passes par cette espèce de sas qui permet de virer un maximum de radiation qui vous entoure. Tous les bâtiments quasiment en ont, donc c'est pas étonnant. Mais là, tu vois que t'es dans les quartiers huppés, puisqu'on est sur quelque chose d'extrêmement beau. Tout à base de verre fumé et de néon qui passe derrière, et tu entends le bruit des basses derrière qui est en train de taper ses verres. La fête bat son plein. Et tu rentres dans cette boîte de nuit, effectivement, la lumière t'assaille. Et je commence à danser en même temps. Ouais, t'es carrément dans ton élément, en fait. Je sais pas quelle est ta relation avec les gens de la haute, mais en tout cas, la musique te fait du bien et commence à t'installer. Et pour l'instant, tu ne vois pas tes camarades. Mais t'es rejoint quelques instants plus tard par Mover, qui va se décrire.
Mover est un homme plutôt grand. Il est noir, il est plutôt très très carré. D'ailleurs, il roule pas mal des mécaniques quand il arrive quelque part, histoire de bien montrer ses muscles, plus pour éviter que les gens viennent l'emmerder et qu'ils sachent tout de suite à quoi s'en tenir avec lui. Il a les cheveux et la barbe rasés très courts et un certain nombre de prothèses cybernétiques, la plus visible étant son bras droit, dont tout l'avant-bras est entièrement robotique. Et les autres prothèses sont un peu plus discrètes, un peu partout sur son corps. Certaines ne sont pas du tout visibles, d'ailleurs. Et il a également, à moins que ce soit interdit dans cet environnement, une arme à la ceinture, bien en évidence. Alors, tout le monde est armé, hein. C'est vraiment un Far West, donc tout le monde est armé de base. On te regarde, l'air de dire... Ou tu l'arranges à la consigne, ou tu l'arranges. Mais tu la laisses pas en évidence. Ok, comme cette arme est trop grande pour être dissimulée, bah je la laisse à la consigne, j'imagine que c'est... C'est à l'entrée. C'est la costume. Et tu vois une femme complètement chromée, complètement modifiée, qui n'a presque plus rien d'humain, c'est quasiment un robot. Mais ses bras ont été entièrement changés, mais contrairement à toi qui a gardé un côté assez brut et très pratique, là on est sur des bras entièrement dorés qui remontent jusqu'au niveau du cou, et tout est recouvert d'or constamment. Elle ressemble presque à ce vieux film que tu avais vu sur un micro CD, un vieux film avec un agent secret dans l'ancienne Angleterre, et une femme qui était recouverte d'or. Ça te fait penser à ça, l'espace d'un instant. Elle est tellement belle qu'elle en est devenue basique, cette femme. Et elle prend ton arme, l'air de rien. Elle porte, alors que c'est assez lourd, elle le porte. Et elle se pose, et puis elle te donne un reçu que tu reçois directement sur ton agent. Et tu rentres dans la pièce, qui, sans être blindée, est assez chargée. Il est pas trop tard pourtant, mais tu sens que les gens qui sont tout autour de toi dans la pièce... sont des gens qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire que faire la fête. Et tu croises à un moment donné le regard de Forty, qui est passé sur la piste de danse, la guitare dans le dos, on sait pas pourquoi elle a gardé sa guitare, et qui est en train de danser. Je lui fais juste un petit signe de tête, l'air un peu blasé, parce que bon, on est là pour bosser, a priori, et non pas pour s'amuser. Et puis, j'essaie de trouver une table libre... pour aller m'installer en attendant qu'elle ait fini de jouer. Ouais, c'est pas assez blindé, donc tu vas trouver une table dans un recoin un peu plus à l'ombre, et tu as une serveuse qui vient te voir. Pareil, un peu même modèle que l'autre. Tu remarques d'ailleurs que toutes les serveuses et tous les gens, toutes les femmes qui travaillent dans ce bar ont exactement la même allure. Sont totalement chromées, même si ce sont des femmes différentes à chaque fois, elles sont identiques dans leur attitude, presque robotiques. Vous désirez quelque chose à boire ? Je vais prendre une boisson énergisante, pas d'alcool. Tout de suite, monsieur. Elle s'en va. T'attends un petit peu. Forty, est-ce que tu le rejoins ou est-ce que tu continues à danser ? Non, je le regarde du coin de l'œil, je souris, et puis moi je continue à danser. Okay. Je vois où il va s'asseoir, et puis je continue à m'amuser. Ok. Et au bout de quelques minutes à peine... Dès que tu récupères ta boisson énergisante, tu remarques à l'entrée, puisque tu as l'habitude de poser dans des endroits stratégiques, et donc tu regardes, tu as une visibilité un peu dans toute la pièce, et tu as gardé surtout un accès privilégié vers la sortie. Et tu vois une femme qui rentre, que tu connais bien, puisque tu as l'habitude de travailler avec Red Eye. Red Eye. Et c'est vrai que j'ai... ouais, effectivement, alors, tu vois arriver quelqu'un qui, si on pouvait vraiment le voir, a une peau assez blanche, assez fine, voire maigre, des joues assez creuses, et puis, bah, en fait, des yeux avec des grosses poches et très injectés de sang. Mais ça, c'est si tu pouvais le voir, parce que tu peux pas vraiment le voir sous une espèce de combinaison technologique très moulante qui épouse les moindres reflets... Les moindres
recoin de son corps. Et puis, elle a surtout un espèce de gros casque sur la tête avec une visière et un écran. Donc, on peut voir vaguement ses yeux, mais en fait, par-dessus, sur l'écran, il y a toutes sortes d'informations qui défilent. On ne voit pas spécialement, par exemple, de modifications corporelles. Il n'y a pas l'air d'avoir de bras artificiels ou quoi que ce soit, ou de jambes artificielles. Mais bon, c'est peut-être d'autres implants non visibles. Et puis, elle arrive dans la boîte et elle a le regard un peu qui parcourt l'assistance et qui parfois elle lève un peu la tête comme si elle regardait un point plus loin. Et puis, un peu distraite, elle arrive, elle dit, elle te voit et elle dit salut, t'as repéré les autres déjà ? Je fais un signe de tête en direction de la scène tout en buvant ma boisson sans répondre. Ok. Déjà à se faire remarquer celle-là. Bon. Je vais chercher un coin de connecter. Fais-moi signe s'il y a du nouveau. Okay. Et puis je reste un petit moment un peu comme ça à trifouiller mon casque. Et je me dirige vers un endroit dans la boîte où j'ai repéré peut-être un coin. Enfin, je cherche un endroit où se connecter au réseau dans la boîte. Y a pas réellement d'interface. T'as quelques prises et quand tu te connectes dessus, en fait, t'accèdes au réseau du lake et t'es assailli de pubs, en fait. Et très vite, ça te donne envie d'en sortir parce que y a absolument rien à y faire. Tu sens que c'est quelque chose qui a été prévu pour, c'est-à-dire que dans les données que tu peux apercevoir au fur et à mesure, tu vas tomber sur sur le menu. Tu vas tomber sur le prix des boissons, sur les différentes prestations que propose le lake, mais surtout, tu sens que c'est un petit peu orienté par rapport à tes capacités à toi et à tes envies, puisqu'on va te proposer quelques moments un peu affriolants avec des hommes ou des femmes virtuelles, ou autre chose d'ailleurs, en fonction des besoins de chacun. Donc rien de réellement intéressant. Ouais, je me suis connecté, j'ai runné un petit virus pour virer toutes les pubs et les trucs comme ça. Puis voyant que je repérais rien de très intéressant ou d'activité ou que ça avait l'air un peu trop compliqué de hacker le truc, je me suis déconnecté. Je vais enregistrer quand même le menu dans mes fichiers. Okay. Pour plus tard, on sait jamais. Okay. Ok. Et enfin, alors que vous êtes tous en train de siroter votre troisième boisson énergisante, vous voyez apparaître la petite dernière, votre pilote attitré, qui, comme d'habitude, est en retard. Et vous voyez Racer apparaître dans la pièce, les cheveux un peu ébouriffés. Comme de par hasard. Donc tu la vois arriver, tu vois qu'elle est pas... Je ne sais pas si elle est un peu embêtée de l'endroit où il y a trop de monde, ou de la géographie de l'endroit en tant que tel. C'est ça, tu la vois se diriger vers le groupe. Elle fait un peu comme Mover, elle regarde un petit peu où est la sortie pour avoir une possibilité d'accès en allant. Et elle va se poser assez posément, mais en restant alerte tout de même. Okay. Vous vous retrouvez tous les trois. Forti, est-ce que tu es toujours sur la piste ou est-ce que tu as décidé de prendre une pause ? Et quand je les vois tous les trois sur la table, je continue à me déhancher et du coup, tout en me déhanchant, en fait, j'arrive vers la table. Salut ! Vous voulez pas danser ? Moi, je t'ignore savamment en regardant l'air de dire je ne t'ai pas vu, je suis connecté. Moi, je t'ignore. Sans du tout faire semblant de faire autre chose à la place, je t'ignore, mais volontairement et très clairement, je te regarde et je regarde ailleurs. Mais je regarde derrière toi, mais je te dis que non, je ne t'ignore pas. Ah, c'est bien, Racer. Toi, au moins, tu me comprends. Ah, il faudrait bien bouger ses petites fesses quand même. Ok, donc vous allez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Allez, premier jet. Premier jet qui n'est pas nécessaire, mais c'est pour le plaisir de vous laisser tirer un peu le dé. Perception. Allez. C'est moi. C'est moi. Ah non, c'est pas. C'est moi.
Alors, on a notre premier fumble et notre premier critique. Je trouve ça beau. Et alors, double critique, hein, pour le coup. Ouais, double critique, hein, puisque pour le coup, 2-10 d'affilée. Red Eye, c'est quoi alors? Alors, c'est dans les skills, c'est tout en haut à gauche. Et tu c'est as Awareness Skills et tu as Perception. Ok. Ah, la 12, ok, très bien. Bah, mis à part Mover qui est concentré comme jamais sur la porte d'entrée, mais c'est surtout Red Eye en fait qui. Tu l'as senti avant même de le voir, c'est-à-dire que tu étais concentré sur Ned et en fait, inconsciemment, ton cerveau s'est dit oh, il y a. J'ai repéré un truc quand j'étais sur le net. Il se passe quelque chose. Et en fait, tu regardes devant toi et tu vois un homme posé, accompagné de deux hommes de main. Un peu. La mine un peu patibulaire, mais complètement, complètement mécanisée. Personne qui ressemble à. Je vais vous montrer ça un petit instant. Hop là, voilà. Nice. Ouais, ça apparaît pour tout le monde. Ah, ça n'apparaît pas pour le stream. Pourquoi ça n'apparaît pas pour le stream? Le stream est puni. Le stream est puni, vous ne saurez pas donc à quoi correspond ce personnage. Bon, c'est pas très bien. Donc vous voyez cet homme, la peau noire, extrêmement bien habillé. Le porte un costume qui a l'air d'être un costume de qualité. Il a des parties de visage avec des cicatrices comme beaucoup en fait, puisqu'en général dans ces cicatrices sont intégrés des circuits qui permettent des certains implants cybernétiques, cyber pas cyber audio mais cyber j'ai pas le terme. Non, des cyber optiques. Et cet homme porte une mallette. Devant vous, messieurs, dames, merci d'être venus, merci d'avoir répondu à mon appel. Moi, je me retourne un peu vers, je me retourne vers Mover, qui a l'air de regarder complètement ailleurs. Et comme c'est quand même le gros bras de la bande, je préfère l'avoir à mes côtés. Quand il y a quelqu'un qui arrive, je lui donne un petit coup comme ça là, sur la jambe, genre. Je me retourne, j'étais effectivement très très concentré sur la porte parce que je m'attendais à ce que la personne vienne de là. Je me retourne un petit peu rapidement, j'ai comme un espèce de réflexe où j'ai la main qui va vers ma ceinture, là où il n'y a plus mon arme de toute façon. Mais en voyant que, a priori, il n'y a pas de danger immédiat, je me détends un petit peu, mais je garde les yeux fixés sur cette personne. Salut, beau gosse. Cette personne qui vous regarde, il ne réagit pas à ta remarque, Forti. Et puis, il s'installe à votre table. Il retrousse un peu ses manches. Je m'appelle Kerson Wallen. Enchanté. Je suis un cadre de Biotechnica. Vous connaissez tous Biotechnica, qui est une méga corporation qui travaille essentiellement pour tout ce qui est... biotechnologie, mais également qui travaille sur des remèdes, des vaccins, on ne nommera pas, le Covid 218, ce genre de choses. Le Covid 2077. C'est pas une... contrairement à Arasaka et à Militech, qui n'ont pas toujours bonne réputation, Biotechnica n'a pas vraiment mauvaise réputation. Sans être à l'écoute du peuple, c'est pas vraiment le genre de boîte qui se retrouve sous le feu des projecteurs et qui pose des problèmes en général. Il pose la mallette sur la table. C'est Arson Wallace, c'est ça? Kerson Wallace. Kerson. Kerson Wallace. Wallon, pas Wallace, pardon. J'ai vraiment pas... C'est tu dois avoir trois lettres de bonne. Ouais. Il y a le W qui est pas mal. Et puis, il vous regarde encore une fois. Vous êtes bien Forty Mover, Racer et Red Eye, hein. C'est bien cela? Yep. Okay. Hochement de tête. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir. Yep. Vous parlez pas beaucoup. J'aime ça. Comme je vous disais, je suis un employé de Biotechnica,
un poste à responsabilité. Et effectivement, vous voyez que sur sa tenue, notamment au niveau des implants qui sont apparents, qui dégagent une certaine prestance. J'ai souhaité faire appel à vous car nous avons un léger souci depuis quelques jours. Et j'ai besoin de personnes pour résoudre un petit problème. Ouais, lequel ? Pensez à vous. Vous avez peut-être entendu parler de la cité d'Émeraude ? Bien sûr. Très bien. Pas du tout. Là, tu vois sur la visière de Red Eye qu'il y a des espèces de fichiers qui défilent un petit peu, elle cherche des trucs, et puis au bout d'un moment, ça se ferme, elle n'est pas du tout. Ok. Vous pouvez me faire quand même un G. Est-ce que potentiellement, moi, c'est des choses que je connais si je suis habitué à voyager ? On va voir ça. Vous allez me faire tous, sauf Forty, un test de local expert. Local. Et pourquoi pas moi ? Et toi, tu vas me faire, parce que toi, t'as menti, tu vas me faire un... Excellent. Tu vas me faire un test de... Alors, en plus, c'est en anglais, donc j'ai pas exactement les mêmes stats. De persuasion. Ok, j'ai claqué un critique. Je suis en pile ou face ce soir. Grave. Persuasion. Je viens de faire 27. Qu'est-ce qui est ce test? Putain, il y a trop de trucs, je sais même pas où il est. Persuasion, il est dans les social skills à droite. Social skills. C'est le quatrième. Ouais, il y a beaucoup de choses sur les. C'est le quatrième en partant du haut, c'était personal growing, non ? Ouais, c'est ça. C'est persuasion, t'as dit ? Persuasion. Ok, très bien. Donc, Aïssa, toi, ça ne te dit absolument rien, mais t'as pas mal bourlingué ces derniers jours. Donc, t'es revenu à Night City il n'y a pas si longtemps que ça. Forty, toi, t'as aucune idée non plus de ce que ça peut être, mais par contre, t'es vraiment sûr de toi. Et donc, tu vois que Kerson n'a vraiment pas réagi par rapport à ce que tu disais. Les autres, ça sonne un petit peu. Mover, toi, tu. Non seulement tu connais, mais en plus, t'en as déjà pris, puisqu'en fait, c'est une drogue très bon marché. Qui sévit actuellement dans les rues de Night City. C'est une drogue. C'est une drogue qui s'appelle la Cité d'Émeraude. Exactement. C'est une drogue qui s'appelle la Cité d'Émeraude et qui donne, lorsque vous la prenez, qui inhibe un petit peu toutes les sensations physiques. Qui vous permet de ne pas ressentir de douleur, notamment. Toi, t'en as déjà pris, puisque dans le cadre de 2-3 missions, ça t'a permis de notamment te sortir de pétrin quand t'as dû forcer un petit peu sur ton matériel et que ta simple force n'aurait pas suffi. Là, le fait d'être totalement inhibé, t'a permis de te sortir de 2-3 situations un peu cocasses. Donc ça vous parle. Il vous toise un peu, Kerson. Biotechnica donnerait cher pour mettre la main sur cette drogue. Je ne vous cache pas que nous avons travaillé il y a très longtemps à un remède. Malheureusement, tous nos échantillons ont disparu, ils ont été volés, et nous souhaiterions mettre la main dessus. Il ouvre la mallette, vous entendez deux petits clics. Une mallette en métal. Il l'ouvre, il la retourne, et vous voyez plein de billets dedans. Voici 5 000 euros-dollars. HRP, c'est une fortune. 5 000 maintenant. Divisé par 4, 5 000 maintenant. Le reste, une fois que la mission sera résolue. Dans ma tête, c'est « Ah, il y a un reste !» Moi, je dis direct, c'est dire qu'il y a plus. C'est à combien c'est l'aide ? À 10 000. 10 000 euros. Eh bien, cool. Je trouve ça cool. Vous cherchez quoi exactement ? La drogue ou son antidote ? La drogue. L'antidote a été probablement détruit. De toute manière, nos chercheurs pourront redémarrer. Là, ils ont gardé quelques notes. Ce qu'il nous faut, c'est l'échantillon en lui-même, c'est la drogue en elle-même. Et si possible, éviter qu'elle traîne dans les rues. Bah, bien sûr. Au pire, est-ce qu'on peut s'en servir ou il faut vraiment tout ramener ? Vous faites ce que vous voulez. Vous me ramenez 30 kilos de cette drogue. 30 kilos ? Ah oui. Ah oui, vous rigolez pas, 30 kilos.
Et le reste, vous le détruisez. Ok. Et est-ce qu'on peut avoir du matériel, ou vous nous donnez du matériel si on accepte la mission? Je vous donne 5000 euros de l'art pour démarrer cette mission, 5000 pour la terminer. Ah oui. On sait la valeur de la drogue ou pas? On sait quoi, pardon? La valeur, quand il nous dit 30 kilos, est-ce qu'on sait si ça fait plus ou moins que les 5000 euros de l'art ou pas du tout? Alors c'est une drogue qui est assez bon marché, d'où son succès fulgurant dans les rues, puisque pour à peine 200 euros dollars, vous pouvez avoir une dose. Donc c'est vraiment pas cher pour une drogue de cet acabit-là. Donc les 5000 sont très bien payés. Et de toute manière, vous êtes habitué à faire des travaux de petites frappes, encore une fois. Donc en général, votre paye dépasse rarement les 1000 euros dollars pour vous quatre. Tournez autour de 200, entre 200 et 400 à chaque fois que vous faites une petite mission. Là, ça paraît sur le papier assez intéressant. Du coup, 5000 euros dollars pour sans équipement de votre part, quoi. Juste ça. Oh, mais vous me paraissez bien équipé de base. Il regarde Mover. Il regarde tes bras, notamment. Ouais, on sait très bien que Mover est bien équipé. Vous avez des infos un petit peu sur qui pourrait la fabriquer, cette drogue? Bien sûr. C'est un gang de boosters qui s'appelle la Route de la Brique Jaune. Une bande de dégénérés sans cervelle. Ils ont un entrepôt dans la vieille ville, dans les alentours de Night City. Un coin où il ne fait pas bon traîner. C'est bien pour ça que nous faisons appel à, dirons-nous, de la main d'œuvre extérieure à Biotechnica. Est-ce que vous voulez que cet entrepôt reste entier? Non, cet entrepôt doit disparaître. Il retire 4 liasses. Pendant que je lui parle, en fait, pareil, il y a des trucs qui défilent sur mon écran comme si je prenais des notes, en fait. Ce qui est d'ailleurs le cas. Il enlève 4 liasses qui pose devant chacun d'entre vous. Et en dessous, vous voyez quatre petites briques enroulées dans une espèce de plastique avec un panneau LCD dessus, sur chacun des cartes. Pardon. Voici 4 charges de C9. Placez-les judicieusement, faites-moi disparaître cet entrepôt et ramenez-moi ces 30 kilos. Une voiture vous attend à l'extérieur, de quoi transporter la cargaison si vous le souhaitez. Autrement, vous pouvez... Et on a libre usage... On a libre usage de la voiture. Vous avez libre usage de la voiture. Et quand est-ce qu'on doit vous ramener tout ça? Vous avez 3 heures. Pas falloir entraîner. Est-ce qu'on dit que c'est faisable ou... Je ne sais pas. Si vous ne réussissez pas en 3 heures, quelqu'un d'autre le fera. Non, mais pour 10 000 euros de là, on vous fait ça, pas de problème. Je hoche la tête, je ferme la valise et je la prends. On vous rejoint ici ou ailleurs? Saurez-vous trouver si jamais il y a besoin? Autrement, je travaille au siège à l'antenne de Biotechnica. Et il vous donne une adresse. Si jamais il y a besoin, vous pourrez me trouver dans mes bureaux. Directeur. Parce que 30 kilos, ça passe pas inaperçu si on vient ici, autant... De toute manière, il faut les ramener à un moment donné pour études. Question quand même. Votre bande, là, la route de briques jaunes, vous avez un peu des infos sur eux, sur leur nombre, leur équipement, leur armement, par exemple? Quoi on peut s'attendre là-bas? Non, je n'en ai aucune idée. Je ne me suis pas aventuré aussi loin. La seule chose que je peux vous donner, c'est l'emplacement de l'entrepôt. Ok. Ok, ok. 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 Et une dernière petite question, les 30 kilos, on les ramène avec quoi? Vous avez une cabine? La voiture. Bah oui, mais la voiture. La voiture, débouche-toi les oreilles. On a une voiture. Je rappelais de conteneurs. Qu'est-ce que vous dites, Netroneuse? Je dis, on a une voiture et un conducteur, on va réussir à s'en sortir. Vous avez une voiture?
et je vois une conductrice à votre table. Une conductrice, tout juste. Oh, c'est peu dire, la meilleure des conductrices. Bien, écoutez, je n'ai pas envie d'abréger cette conversation agréable. Oui, il a l'air saoulé. Mais le temps presse, je vous rappelle que vous avez 3 heures, un peu moins maintenant. Je me lève et je lui dis, effectivement, le temps presse, on a une mission à résoudre, et j'espère bien que si elle se passe bien, on aura peut-être l'occasion de refaire affaire. Peut-être, si pourquoi pas. Si vous avez d'autres missions avec ce genre de récompense, on sera très très intéressés. Très. N'en doute pas, remplissez celle-là et nous parlerons pour la suite. Il se lève. Et vous le boss ? Moi, je lui tends la main pour avoir les clés quand même, vu que c'est lui qui a fait avec la voiture. Il te regarde avec un mouvement de recul, il ne te touche absolument pas. Les clés sont déjà sur le contact. Ah, ok. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment un système de clés, hein. C'est des boutons pression qui passent. Puis de toute manière, tu es habitué à braquer 2-3 voitures aussi, donc ça serait même pas un problème. Et vous sortez. Blague sur notre partie de INS. Non, c'était Sins of the Father. Ah, Sins of the Father, pardon, je confonds les deux. Oui, non, s'il y avait les deux. Je crois que INS, les clés étaient dans la bagnole. Et que Sins of the Father, vous avez arraché la porte et. et défoncé la bagnole pour faire démarrer, je sais pas. Et moi, je dis juste. Moi, je me lève, je dis juste à tout à l'heure. Ok, et puis je me barre avec la valise. Et moi je suis déjà parti du coup, quand il m'a dit que les clés sont dessus, je suis parti. Ok. Bah, vous sortez tous les uns après les autres, et vous apercevez hein, effectivement qu'il y a une voiture avec un coffre qui a l'air assez grand, qui est gardée par 2 soldats, deux corporatistes. Vous reconnaissez la tenue des soldats de Biotechnica, des miliciens de Biotechnica. Ils vous regardent passer, sans bouger, et tu montes dans la voiture. Et il s'éloigne, il s'en va. J'ai évidemment récupéré mon arme à la cour. Oui, vous avez récupéré vos... Oui, bien sûr. Avant... Voilà. Avant de sortir, moi j'ai fait quelques pas de danse quand même. Je suis retourné dans le truc, j'ai dansé et tout en dansant. Je t'ai chopé par le bras et je t'ai tiré. On n'a pas le temps. On a toujours le temps de danser. Tu danseras dans la voiture. Tu danseras dans l'entrepôt. Okay. Vous montez tous dans la voiture et vous partez en direction des coordonnées GPS qui vous ont été indiquées, qui vous ont été envoyées sur votre agent. Je mets la musique. J'habite un peu autant de ma combinaison, il y a de la musique qui décroche. et votre trajet, en fait, votre GPS vous indique un trajet qui vous amène effectivement sur les bordures de la ville, dans les coins un petit peu sensibles. Vous allez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Le précédent s'est tellement bien passé. Perception. Allez, un petit oui. 11. Ok. Redaille en fait. Putain. Okay. J'ai les yeux rouges, mais... Ok. Mais ça va. Vous êtes tous concentrés sur la route et vous êtes un petit peu tous... enjaillé à l'idée de vous faire de l'argent assez facilement, parce que ça ressemble quand même plutôt aux missions que vous avez l'habitude de faire en temps normal, donc rien de bien foufou. Et vous arrivez, hop là, hop, est-ce qu'on voit bien? Ouais, je pense qu'on voit bien, et on va switch. Et vous arrivez stylé devant cette magnifique map animée. Donc vous voyez en bas à gauche votre voiture. Et vous êtes garé, vous avez traversé la rue pour paraître discret possible, l'air de rien. Il y a 2-3 personnes dans la rue, hein, que j'ai pas mis de token bien évidemment, mais il y a relativement peu de monde. Vous voyez beaucoup de gens un peu drogués. Quand vous regardez un petit peu dans les recoins, vous voyez que la pauvreté est de mise ici. Et en face de vous, vous voyez un écriteau néon devant lequel discutent 4 bonhommes habillés un peu n'importe comment, puisque vous en voyez 2 qui sont habillés avec espèce de bure dégueulasse. Ils ont de la paille qui leur sort des manches.
Ils ont l'air totalement déchirés. Ils marchent pas droit, ils sont un peu en train de tituber. Vous voyez des visages faméliques et totalement biosculptés. Ils se ressemblent tous les uns les autres. Et les deux autres, eux, sont complètement chromés. On dirait des espèces de grosses boîtes de conserve. Mais pareil, ils ont l'air, ils ont le regard rouge dans le vide. Et ils sont là en train de fumer, en train de parler. Ça a l'air complètement inintéressant et inaudible ce qu'ils sont en train de raconter. Qu'est-ce que vous faites ? On est loin de l'entrepôt ? Bah, vous êtes aux coordonnées GPS qui vous ont été indiquées. D'accord. On est à l'entrepôt, quoi. Moi, je commence à scanner. J'ai ma visière baissée et je commence un peu à scanner, voir s'il y a des interfaces dans le coin. Sur l'extérieur de la rue, il n'y a rien. Je leur dis, je vais aller voir les petits gars pour savoir s'ils seront bien de la brique jaune. Ou pire, je demande si je peux procurer de la, si je peux me procurer de la cité d'Emeraude. Demande peut-être plutôt la deuxième, parce que s'ils sont de la brique jaune, ils vont nous demander ce qu'on leur veut. Pas sûr d'avoir envie de leur donner une réponse à ça. Ok. Mover, au cas où s'il m'arrive un truc, tu me backup. Ouais. Je vais peut-être aller faire le tour. J'allais dire, moi je commence à faire le tour du bâtiment, voir un petit peu. Ok, bah si je vois que tu commences à faire le tour, je viens avec toi. Okay. Vous faites le tour du bâtiment d'en bas ? Bah ouais. Enfin, on sait, on fait un petit peu. Couvert, des trucs comme ça, quoi. Je vais partir du principe que les tokens que vous déplacez, c'est vos vrais déplacements. Hein. Donc si vous faites n'importe quoi avec les tokens, je considérerais que c'est ce que vous avez fait en termes de déplacement. Je vois pas trop si on peut faire le tour du bâtiment. Moi je monte. Moi je monte sur le truc. Je me mets un peu en hauteur. Ouais. Vous voyez rien d'anormal, c'est une nuit tout à fait banale, pluvieuse et désagréable, qui vous donne pas spécialement envie de rester à l'extérieur. Il n'y a pas d'entrée sur les côtés à proprement parler là. Faites-moi quand même un petit jet de perception. Pardon, excusez-moi, faites-moi un jet de perception plutôt. C'est où, je vous demande ce qui passe derrière. De quoi ? On le fait tous ? Ceux qui regardent le côté du bâtiment. Putain, mais Racer. Oui. Et Red Eye 20 et Racer 22, quoi. Je sais pas pourquoi les G ils apparaissent pas sur le. Sur le stream. Je fais 14. C'est bizarre. Les D, tu veux dire. Ouais, les D, ouais. Parce que les G apparaissent, mais les D n'apparaissent pas. Ouais, c'est bizarre. Ok. Red Eye et Racer. Vous remarquez un petit couloir dérobé à côté du bâtiment, un peu crasseux, exigu, qui permet de laisser passer qu'une seule personne. Par là ? Enfin, par en bas, là ? Ouais, par en bas. Ouais. Ok. Je me retourne vers Racer, je te dis, je vais aller essayer de me faufiler. Pour voir ce à quoi on peut accéder à l'intérieur. Ok, donc toi, Forty, t'es passé. Pardon, excuse-moi. Oui, je lui dis, bah reste là pour voir s'il y a personne qui vient. Moi, je me suis posté en haut pour prendre quelques minutes pour observer un peu les environs, observer les allées-venues et voir un peu face à quoi on est, quoi. Et je me tiens prêt à intervenir. Je suis prêt à flinguer tout ce qui bouge si jamais ça déconne. Ouais, bah toi t'en as bien l'habitude, mais vous en avez tous l'habitude. Ils ressemblent tous les mecs que vous croisez là, les quatre ressemblent à un gang de boosters, puisqu'ils sont, ils ont les mêmes tenues, ils traînent ensemble, ça correspond aux coordonnées qu'on vous a annoncées. Donc a priori vous êtes au bon endroit, c'est juste qu'il y a pas d'entrepôt. Bah du coup moi je les vois. Je vais voir les quatre, quoi. Enfin, pas ceux qui sont camés, mais ceux qui sont moins, qui discutent. Ouais, bah ils sont tous les quatre camés, en fait. Ouais. Je discute avec... je vois celui qui a l'air moins camé que les autres. Ouais. Et je fais, salut les gars. Salut. Vous savez comment il y a moyen d'avoir un petit peu de votre dose, là ? Parce que je suis un peu... Ça dépend, peut-être qu'on payait. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Ouais, c'est 500 euros dollars la dose. Et je la procure comment ? C'est à vous directement ou je vais dedans là ? Ouais, tu me donnes 500 euros dollars, t'attends un petit peu et on va te chercher ce qu'il te faut. Ok. Ok. Et vous savez si y a moyen de faire d'avoir plus de doses, quoi ?
paye plus, t'as plus. Ouais, genre... je sais pas... moi, je suis un peu en dèche, tant si il y a moins de la revendre aussi, ou... Tu veux faire quoi exactement? T'es là pour acheter ou t'es là pour vendre? Bah, j'avoue que je voudrais acheter déjà la première, ouais. Et après, s'il y a moyen de me faire un peu de thunes aussi, et ouais. Les deux, quoi. Ouais, mais c'est pas à vendre ce qu'on propose. File-moi l'argent, fais-toi un petit test, et puis reviens après. Bah attends, je vais sortir. J'ai demandé à mon pote. Du coup, je fais... Oui, l'argent est sur les agents, non? C'est ça? Ouais, vous avez des liasses avec vous, sinon vous avez de la monnaie éventuellement. Ok. Je lui donne 500 euros dollars. Je okay. Dépense la thune. Et il te sort une petite fiole, toute jaune, et il te la donne. Il me la passe? Ouais. Ok. Merci. On revient quand tu veux. Il se remet à discuter. T'inquiète. Ils sont en train de fumer dehors. La pluie a pas l'air de les déranger. Ok. Du coup, je pars et je vais voir Mover. Et je lui montre ce que c'est, quoi. Donc tu lui tends cette petite fiole jaune. Pas très grande. Hein. Ça ressemble. Ça ressemble à ce que t'as pris. Ouais, ça ressemble à ce que t'as pris. C'est ça que t'avais pris? En fait, ouais. c'est des petites fioles en verre que vous mettez sur les pistolets injection, qui vous permettent de vous droguer. Alors sur des parties de peau pour qui il reste un peu de peau. Sinon, vous avez des réceptacles prévus pour ça dans vos emplois. 30 kilos de ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, ils ont pas l'air. Ça a l'air juste d'être de la revente ici. Hein. Ou peut-être que derrière il y a un entrepôt, mais en tout cas là, il y a de la cam quoi ici. Je garde la fiole. Merci, ça pourra me servir. Juste question, ils sont sortis la fiole d'eux-mêmes ou enfin de leurs affaires ou ils sont allés la chercher quelque part? Ok. Ouais. Que faites-vous, les autres? Du coup récemment on est. Parti faire le tour, on a trouvé l'espèce de petit passage ouais. Là. Ouais, comme je suis un peu plus maigrichon que Rasseur, hein, j'essaie de me profiler. Okay. J'essaie de me profiler dans le passage. Y a de la place pour une personne. Hein. Imagine ces ruelles comme tu vois dans les films américains à New York où tout est. Tout est assez exigu, là où ils sortent les poubelles. C'est un peu plus étroit que ça encore. Ça fait une vingtaine de mètres de long quand même, et au milieu tu vois une porte. Une porte en métal. Je sors mon flingue et je commence à avancer dans le truc. Et j'arrive devant la porte en métal et j'essaie d'écouter derrière la porte si j'entends des voix, des t'entends, bruits. T'entends des bruits, ouais, t'entends. T'entends des. Comme s'il y avait des basses derrière. D'accord, comme de la musique. Exactement. Enfin, ok. J'essaye de voir si la porte est ouverte. Donc tourner la poignée. Ouais, la porte est ouverte. Je l'entrouvre et jette un coup d'œil pour voir s'il y a des gens tout de suite derrière. Y a personne derrière à première vue. Ça donne sur un petit couloir un peu crasseux également. Et quand tu ouvres, en fait, tu entends le bruit des basses qui est beaucoup plus important. je rentre rapidement. Et je ferme la porte derrière moi pour pas que le bruit des basses s'entende depuis la rue. Ok. Donc t'es et je vais comme... Tu vas à l'intérieur. Ouais.